Et c'est une belle journée, Virgilia, avant un beau week-end. Exactement, avec quand même quelques petits bémols, si on veut s'amuser à aller chercher, bien regarder tout simplement ces images depuis l'Arc de Triomphe. Quelques nuages, mais rassurez-vous, ces nuages n'apporteront pas de précipitations. C'est ce qu'on appelle un ciel variable, alternance entre nuages et éclaircies. C'est ce qu'on va retrouver d'ailleurs tout au long de votre après-midi, avec des périodes parfois un petit peu plus ensoleillées et des périodes parfois un petit peu plus grises. En tout cas, le ressenti pourrait être désagréable par moment, puisque le vent pourrait se renforcer, des rafales autour des 40-50 km/h, mais des températures qui restent estivales, quoiqu'en baisse par rapport à hier, mais toujours un peu au-dessus des normales de saison, notamment pour Paris, jusqu'à 28 degrés la maximale de cet après-midi, 27 degrés dans l'Essonne, à Évry par exemple, 26 à Melun pour la Seine-et-Marne également, 26 à Saint-Denis et la minimale du côté des Yvelines à Plaisir avec 25 degrés. Aujourd'hui, nous perdons 2 minutes d'ensoleillement par rapport à la veille. Le soleil ira se coucher à 21h52 et nous fêtons les Oliviers.